presente. Hoje é teu aniversário, tô te dando esse presente. Olá, meticas! Aujourd'hui, vous êtes dans mon petit déjeuner chez moi. Mon petit quotidien le matin est toujours un peu pareil. Je bois toujours un peu mon thé vert, n'importe un thé vert que vous aimez. Je mets un petit peu. Dans mon thé vert, je mets aussi un petit peu de gingembre. Et en fait, ça, c'est une technique brésilienne qu'on fait beaucoup au Brésil parce que ça nettoie le foie. C'est un peu détox. Alors, les filles, une autre chose aussi que les Brésiliens apprécient beaucoup et ont choisi plus le yaourt de Bobrie. Yaourt de Bobrie. Je ne sais pas bien dire en français, mais c'est exactement ça parce qu'il est plus light. C'est bien aussi pour les os, pour nous qui fait beaucoup de la gym. Et moi, par exemple, je n'aime pas toujours seul. Alors, je mélange un peu avec des fruits. Je mets de la banane parce que la banane, c'est bien aussi. Il y a beaucoup de calcium, je mets des fois de pommes. Et après, vous aimez mettre du sucre, je pense pas que c'est cool. Alors choisissez du miel, des trucs plus light. Alors Mythica, j'ai fini mon petit déjeuner. Moi, je pars à ma gym et je ramène avec moi ma petite protéine. Si vous connaissez pas, en fait, je vous explique. Ça, c'est plutôt un booster. Ça veut dire ça donne plus d'énergie, c'est bien pour les os. Et en fait, je prends 30 minutes avant la gym. Bah, il fait beau bientôt. Moi, j'ai envie d'être au top avec mon petit shaker. Je pars à la gym. Ciao! Oui, je fais la pause. Et pour les déjeuners de Gisèle, voici trois assiettes qu'elle valide. Entre deux rendez-vous, Gisèle opte pour des repas légers, mais toujours équilibrés. J'ai fini ma journée, je vais vous faire mon dîner à la maison. J'aime bien l'haricot, parce que ça vient de mon pays, il y a beaucoup de fer. Et après, quand on a tout dépensé dans la gym, j'aime bien aussi récupérer. Après, je mange toujours ma salade, ça j'adore. Mon petit poulet, mon petit poisson, ou toutes les viandes blanches que vous voulez, même la viande rouge si vous voulez, ou même si vous êtes végétarien, c'est votre choix. Par contre, il faut varier tout le temps. Je vais vous embrasser toutes mes chéries et vous dire que vous allez voir ma photo d'avant et après. C'est un mois après, comme j'ai pas mal séché, en changeant mon alimentation, parce que j'ai mangé beaucoup de sucré, aussi je buvais de l'alcool. Et là, dans la semaine, j'ai changé tout ça. Je mange plus sain, je fais attention à pas boire dans la semaine, à part le week-end où je me fais bien plaisir. Vous allez voir comme ça change un petit peu et je me sens mieux dans ma peau, je me sens moins lourde et plus jolie. Beijos! À la próxima, chicas! Vicente, hoje é teu aniversário, tô te dando esse presente.